Salut! Et voilà, nouvelle vidéo. Premier live d'octobre. Quatrième live sur la chaîne. On va. Ce soir, on va jeter un œil sur un shooting qui a été fait il y a pas très longtemps. Ça fait 15 jours à peu près, je crois. Ouais, c'est ça. J'en avais déjà sorti quelques-unes. Donc là, comme la dernière fois, l'objectif, ça va être dans. On va choisir 3, de les retoucher, dans l'idée de les publier sur, sur Insta. Donc on va regarder, j'en ai sélectionné 50, j'en ai présélectionné 55 sur les 100, 322 que je stocke. Donc voilà, on va pouvoir jeter un coup d'œil. Alors on va commencer par le début. Donc là, toutes ces photos ont été prises pas loin de Rennes. À Château-Giron. Château-Giron qui est une ville qui a une partie médiévale. Et des vieilles baraques plutôt stylées. Ça c'est la, je crois que c'est la première ou l'une des premières que j'ai prises. J'avais choisi cet endroit pour la lumière, c'était pas mal. Là j'avais cadré un peu haut. Je pense qu'elle va passer en noir et blanc. On était devant chez quelqu'un, donc là a priori on voit rien de. Trop perso à l'intérieur. Il y a rien de trop perturbant dans les reflets aussi, parce que souvent quand on prend une photo face à une vitre, on risque d'avoir des reflets un peu gênants. Par exemple, si on a une enseigne de commerce ou ce genre de choses. Bon, cadrage n'est pas si mal. Je voudrais pas la passer en noir et blanc, je voudrais garder le côté un peu chaleureux de la lumière. Je vais la désaturer. On va augmenter le contraste quand même. Je vais juste essayer de pas tomber trop dans le piège classique sur les shootings masculins, de pousser les contrastes et la clarté à fond. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Hop, je vais récupérer un peu de détails dans les ombres. Franchement, je pourrais encore recadrer. Hein. Et si on passait sur un format cinématographique, comme ça. Souvent, il coupe aussi le haut de la tête. Ouais, non, là, ça passe pas, là. Ok, c'est un début, je vais laisser comme ça pour l'instant. Celle-là peut être sympa. Je vais la redresser d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être chelou là. Ok, on va laisser comme ça. Là, je vais peut-être la passer en noir et blanc par contre.
Avec un peu de contraste, ça sera pas mal. Pas besoin de tout ça. La porte à droite fait un petit peu trop moderne. La chaîne, ça me va bien. Ok, on va partir là-dessus. Ouais, c'est déjà mieux au niveau cadrage. Le petit contraste qui va bien pour servir de l'éclairage un peu particulier qu'on avait. Donc là, je pousse le contraste, je perds du détail dans les ombres comme d'hab. Hein. Je vais revenir adoucir un peu ça. Ok. On est pas mal. Est-ce que le visage est trop cramé ou pas? C'est pas évident. Ah ouais, c'est pas mal de retrouver un petit peu plus de volume sur la joue, hein, la pommette. Ça fait moins plat. Faire comme ça. Bon, c'est pas si mal. Un petit peu de netteté. Bon, c'est pas mal. Hop. Ok. Oui, on va voir. Pour l'instant, je vois pas trop ce que je peux faire. Je vais laisser, je vais mettre de côté, c'est pas mal. Je vais prendre les réglages, on va voir si ça s'applique correctement à d'autres. Tiens, salut! Espèce de focus. T'es passé finalement? T'as réussi à passer? C'est gentil parce que du coup. Jusqu'à là, j'ai toujours réussi à avoir au moins une ou deux personnes dans le chat. Ouais. Ouais, tu sais, c'était pas non plus. J'aurais pu comprendre que t'avais d'autres priorités, hein, mais. Que penses-tu du style de. Du style qu'on a? Donc là, Alexandre, donc c'est un modèle qui est photographe aussi. Et en fait, il est venu avec, avec sa tenue, ses accessoires. Donc c'est vraiment lui qui a fourni tout le style. Et d'ailleurs, on verra après, mais il avait apporté un truc que je n'avais encore pas vu. Les fausses cigarettes. Genre, elles font... C'est comme si elles étaient allumées, en fait. C'est assez bluffant. On verra ça tout à l'heure. Les styles s'appliquent plutôt bien. Là en plus on a une lumière plutôt sympa qui revient lui éclairer un peu le côté du visage avec la fenêtre. Ouais, le look colle bien avec la maison et tout. Là je vais juste... On voit un rétroviseur. Donc c'est moyen. Hop, on a enlevé un peu de détails qui sert à rien. Ok, on est pas mal. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Sur cette série là, je suis plutôt content de ce qu'on a, franchement. Même si la porte derrière fait, et les rideaux font un peu trop récent, mais c'est pas grave, ça passe. En petit sur Insta. Baisser les hautes lumières. Ouais, je l'ai fait du coup sur celle-ci parce qu'il avait la figure toute blanche. Mais là, je vois pas l'intérêt. Ici non plus. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le visage. Le reste, je m'en fiche, quoi, que ce soit cramé. Il y a quasiment rien de cramé ici. À la limite, même, je pourrais augmenter l'expo. Non, ça ferait trop. Là, c'est pas mal. Là, je m'en fiche que ce soit trop blanc sur le volet. Après, c'est peut-être des questions d'écran, ouais. Là, je suis pas trop saturé sur mon écran de retouche, c'est pas un écran calibré ou quoi, mais... Même celle-ci, il y a un fort contraste, je pourrais baisser les hautes lumières, mais il y a un côté que j'aime bien. Un côté...
C'est trop mou si je baisse l'autre lumière. Ça m'apporte pas grand chose en fait. Alors que là, il y a plus de pêche. Ouais, Sherlock Holmes. Donc c'est pas mal, je vais revenir sur cette série plus tard, il y en aura peut-être une ou deux à choisir dedans, mais j'en ai plein d'autres. Et celle-ci, donc, en fait, il avait apporté des fausses cigarettes, et en fait, il faisait la fumée avec une vapoteuse. Et ça donne le change, ça marche super bien. Même si des fois c'était un peu trop de fumée. Donc celle-là, c'est noir et blanc direct, de toute façon. Est-ce que je peux le mettre en format ciné? C'est pas mal comme ça. Hop, du contraste. Un petit peu de clarté pour donner un petit peu de... En fait, c'est la clarté qui blanchit les blancs encore plus. On peut pas trop lui aplatir la figure... On va pas abuser sur la clarté. Là on est pas mal. Petite tache blanche qui attire l'attention. Hop, on enlève. Et le reste ça ira. Globalement je trouve ça... Ouais, la fumée fait une barbe. Ouais. Il y a pas mal de... On va voir ça tout à l'heure, mais ouais, pour les... La fumée, c'était... Il faut la prendre au bon moment. Une fumée qui a tendance à rester un peu compacte. Quand on regarde... Par exemple, j'en ai pris une série, là. Là, c'est assez drôle. Ça lui sort vraiment de la bouche et ça descend. On dirait qu'il a une machine à fumer dans la bouche. Là, elle est plus diffuse, c'est plus sympa. Il y en a, c'est... Il y en a qui sont pas exploitables. Les saucisses sont sympas. Il y a toute une série comme ça par exemple. Où du coup on perd l'intérêt. D'utiliser de la fumée parce qu'on voit plus rien quoi, tout simplement. Là ça va encore à peu près mais... Donc voilà. Après c'est plutôt marrant mais... Après, faut voir, il y a peut-être un truc sympa à en faire. Là, je trouve, là, ça manque de relief. Je suis pas forcément fan du fond. Je pense qu'on a mieux, ailleurs. C'est la même ou quoi? Non, c'est pas la même. J'avais déjà traité comme ça. C'est pas si mal. Je suis pas entièrement convaincu. Là, on a une grosse tache jaune blanche en haut à gauche. C'est pas facile d'exploiter ça. De cette série, j'avais commencé à faire un traitement avec ce style là. On est vraiment dans une ambiance très sombre. Sur celle-ci, ça s'applique bien parce qu'on a aussi tout le contour de la visière de la casquette qui est dessinée par le soleil en plus de la fumée. Je sais pas trop ce que ça peut rendre là-dessus. En plus, on a le... Alors... Ouais, ensemble, ça passe pas mal. Le problème, c'est que sur certains clichés, là, on le voit, j'ai pas remarqué au début, enfin, j'ai pas fait attention et j'ai eu tort, parce que c'est ma faute, parce que ça m'était déjà arrivé sur un autre shooting. On voit le téléphone dans la poche. Et ça s'agache tout. C'est une catastrophe. C'est pas vraiment rattrapable facilement. Donc ça pourrait limite passer pour la flasque d'alcool qu'on a à la fin, mais non, on voit très bien que c'est un téléphone. Donc bon, c'est pas grave. Si ça devait être un shooting
pour une presta pro ou un truc comme ça, je dis bon bah on refait le shoot. Mais là, c'est pas bien grave. Je ferai plus attention la prochaine fois. Alors quel fumeur on choisit? Là il y a le regard. Ah, celle-ci j'aime bien. Et puis il y a les yeux qui suivent le mouvement de la fumée, c'est assez marrant. Peut-être resserrer un peu le cadrage. Je pense que je vais rester sur ce traitement-là, un petit peu désaturé, un peu contrasté. Ça me convient bien, j'aime bien. Je vois pas trop ce que je pourrais faire d'autre, je pense que ça rend pas mal. Il y a un côté un peu cinématographique dans le traitement de la couleur. Enfin, j'aime bien dire ça après, mais... Celle-là était pas mal. Celle-là, la fumée est trop... devant, ça peut être marrant mais ça passe trop aussi devant. Là je suis un peu flou. Un 320e et je suis flou au niveau du mouvement de la main. J'aurais pas pensé, franchement. J'aurais pas pensé. Celle-ci est pas mal. C'est pareil, j'ai pas besoin de la voir aussi grande, je pense. Plus comme ça, je zappe le téléphone. On a une main, c'est parfait. Un peu serré à droite, peut-être, mais bon. Alors je fais un carré. J'ai pas envie de faire un carré. On va rester sur le format 4 tiers. Bon ok, on va laisser ça de côté pour l'instant. Moi j'avais choisi celle-ci parce que la fumée avait une forme sympa, un peu courbée. Celle-ci c'était trop une masse informe de fumée. Et ça fait une barbe. Deuxième barbe blanche. Trop peu de fumée. Trop flou. Trop bizarre. Bon, finalement, je crois que je vais rester là-dessus. Donc là, c'est pareil. Sur cette série-là, on a le téléphone. Mais tant pis. La ligne de la porte derrière. Ah, de la porte là-dessus. Parce que c'est penché, ouais. Ouais, ça fait un détail dans le coin, ouais. Mais je préfère avoir ça plutôt que de cadrer autrement, en fait. Donc, après, ah non, je l'ai pas tourné. Si je tourne, je pense que ça risque de gêner le. Ah, quoi que. Ouais, je sais pas trop. Ouais, ça peut le faire. Ouais, puis en plus on zappe une partie en bas à gauche d'un triangle de lumière, pas forcément très intéressant. Ok, on va faire comme ça. Faut quand même que je garde de l'espace. Coupe un bout du pied, mais on s'en fout. C'est pas mal. D'accord, c'est un des premiers trucs que j'ai vu, ok. J'avoue que je sais plus. Bah du coup les marches aussi, ouais. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Après un contre-plongée, ça me dérangeait pas trop. En général, dans les contre-plongées, tu vas avoir des lignes de toute façon un peu penchées. Mais bon, ça, c'est pas plus mal comme ça, je trouve. Bien vu. Alors, on va le garder comme ça. Donc là, je vais commencer à faire un traitement noir et blanc. Je voulais surtout essayer de...
J'ai vu la fenêtre, le mur, je voulais voir s'il y avait moyen de faire un truc un peu, un côté un peu ruelle de vieille ville. Que le rendu est pas si mal, mais pas top. Surtout au niveau du sol, là c'est pas génial. J'ai essayé de couper, il me semble, les jambes, mais pour garder la manette, mais c'est un plan un peu bâtard. Si on veut faire le plan américain, on perd une grande partie de la manette. Donc c'est pas ouf. Pas ouf. Celle-ci est peut-être plus sympa. Ok, elle regarde dans le sens de la posture. Bon. Ça me paraît un peu clair dans l'ensemble quand même. Bon, ok, je sais pas si j'arriverai à faire mieux. Là, on a un vieux tag à gauche dont on n'a pas besoin. Et du coup, on a qu'un petit bout de mur. Si je coupe ça, on se rapproche un peu trop au niveau de la hauteur. Je peux que essayer un format un peu bâtard. Ouais, ce serait dommage de sacrifier. On n'a pas énormément d'éléments déjà. Enfin, c'est assez central en fait. Surtout le personnage. J'essaierai bien un truc là pour voir. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. Je me demande s'il n'y a pas moyen de d'exposer un peu plus au niveau du visage. Est-ce que je pars sur un truc comme ça? Ça se voit ou pas? Ça va, non? Ouais, ça a l'air de passer. Je vais rajouter une couche avec du vignettage. Donc là, c'est trop. Là, c'est bien, je pense. Ouais. Un cercle plus grand. Ouais, mais. C'est peut-être sur toute la partie en haut à droite. Je pourrais peut-être augmenter encore le. J'ai l'impression de le voir, mais je suis pas sûr. Au pire, ça saute pas aux yeux non plus, donc. Ouais, c'est certainement plus naturel. Ok. Est-ce que je peux faire encore pire, rajouter une couche? On n'est plus à ça près. Il y a aussi le flingue en plastique que je voudrais pouvoir rendre plus métallique. Mais ça, je verrai plus tard. Donc là, je vais beaucoup trop loin, on est d'accord.
pas convaincu là. Hein. Parce que je suis en train de faire. Ça rend pas comme je voudrais. Ah, peut-être comme ça, ouais, du coup. Je trouvais que ça aplatissait un peu trop les ombres. Mais du coup, en rajoutant un peu de clarté, on trouve un peu de relief. Et au niveau de l'arme, je trouve que ça fait... Là, comme ça, ouais, en zoom, on voit, mais ça va, en fait. Ça donne le change. C'est convaincant. D'accord. Par de ça, j'arrive là. Pas si mal. Je pense que c'est pas si mal. Ok, je vais rester là-dessus. J'aime bien celle-là. En fin de compte, je trouve que le rendu est mieux que ce que j'espérais. Je vais essayer d'appliquer tout ça. Voilà, du coup, ça va pas tout appliquer, mais ça fait rien. Si ça, ça marche. Le cadrage est moins sympa. Je pense que ça fonctionne mieux ici. On reste là-dessus. Il reste encore une série devant un mur de briques. Une série là comme ça, le portrait un peu plus resserré. Ouais, différentes choses. Là-dessus, l'idée c'était d'essayer effectivement d'avoir un truc un peu avec un fond un peu graphique, voire d'utiliser des ombres en fait, des ombres portées. Ça aurait pu être mieux au niveau des ombres portées. Et le style est un peu finalement plus décalé que ce que je pensais. Ça colle pas forcément, je trouve. C'est pas forcément inintéressant, mais... Tout qu'on a le petit buisson en bas à droite. Que j'ai la flemme de zapper, de virer. De photoshopper. Ouais, c'est ça, un grand mur de briques propre comme ça, bien rouge. Il y a des trucs à faire. D'ailleurs... les briques rouges, j'en ai sur d'autres shootings. Peut-être que je montrerai la prochaine fois. On s'amusait à faire des trucs sympas avec des briques. En fait, j'arrive pas sur cette série de photos. Ouais, ça, au final, ça rend plat. Ouais, dans ce style, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est en fait ça, voilà, ça aplatit le tout. On n'est pas vraiment dans le même. On a un peu deux univers qui s'entrechoquent. Donc on verra. Est-ce que j'aurai une inspiration une autre fois. Mais c'est pareil, on a joué avec la lumière. Alors la lumière est dure, hein, mais c'est fait exprès. Je pense que les poses les plus intéressantes sont sur les trois dernières. Que les quatre premières sont peut-être un peu moins... un peu plus artificielles. Que celle-là est beaucoup plus naturelle. Celle-là est très bien. Non. On a dit pas celle-là. Bon, on va dire les deux là comme ça. 39 et 40. Ils sont pas mal. Là, c'est pareil, t'as vu, en contre-plongée, on a des lignes qu'on peut pas vraiment redresser, en fait. Donc, il faut trouver la posture où ça nous gêne le moins. Soit on aligne à gauche, soit on aligne à droite. Esprit en premier. Oui, alors là, ça peut être drôle après, hein, tiens. En jouant vraiment là-dessus. On va cadrer comme ça.
Alors vive l'euro, hein. Vive l'euro. Oh bah en contrastant à mort, c'est assez drôle en fait. Ouais, c'est un peu trop peut-être. La fumée devient grise. Et... haute lumière. Bah, faudrait que je remette un petit coup ouais, dans la haute lumière, ouais. Mais là, la fumée reste plus grise en fait que le reste, mais c'est pas grave. Pas grave. On peut pas tellement lui donner plus de volume. En fait, la fumée est assez plate globalement, hein. Il n'y a pas vraiment de volume. Alors, est-ce que je peux le faire spécifiquement? C'est hyper bizarre. Ce genre de retouche là, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Sur de la fumée, j'ai pas vraiment l'habitude de travailler. Donc c'est intéressant. Je voulais faire des projets avec une machine à fumer, mais pour l'instant, ça s'est pas fait. Un jour peut-être. Quand même pas convaincu. C'est vraiment pour essayer, mais bon. Ah, t'as acheté une machine à fumer carrément. Moi je vais commencer à me renseigner sur les machines à fumer. Globalement, ma conclusion c'était que si j'en voulais une qui soit suffisamment efficace et suffisamment puissante pour pouvoir l'utiliser par exemple en extérieur, il fallait que j'y mette un prix pas possible et que le plus intéressant finalement c'était la louer pour le projet, pour chaque projet. Après, je sais pas encore où je peux louer ça, mais. Et je pense que c'est ce que je ferai si un jour je dois faire des photos avec de la fumée. Après, quand t'es en intérieur, en studio, t'as peut-être pas besoin d'une machine trop puissante. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment d'intérieur disponible. J'ai pas studio, chez moi c'est minuscule et... J'ai déjà essayé de faire des photos studio chez moi, c'est trop petit. Et c'est des contraintes. J'ai pas forcément envie de faire venir tout le monde chez moi. Plus en intérieur, je pense que c'est plus sympa si vraiment t'as un appart ou une maison qui a quelque chose de sympa aussi à exploiter ou un studio vraiment fait exprès pour ça quoi. Fais pas studio, c'est plat, bah ça dépend peut-être des studios quoi. Ça dépend de tes lumières aussi. Après le plat ça me va aussi hein, pour certains styles de photos. Moi je ferais bien volontiers un peu de alors c'est vrai, un peu de mode j'allais dire. Bon après avec la machine à fumer tu vas pas faire beaucoup de shooting mode. Je crois que plus ça va et plus je vais vers un style qui n'utilise pas de machine à fumer donc au final. Je
commence à sortir un peu de cette époque de débutant en photo où je veux absolument tout faire, tout essayer, même si ça reste intéressant, je reste très curieux. Je crois que je commence à cibler un peu le style que j'aime bien faire. Là, typiquement, on est sur un shooting que je vais pas spécialement chercher plus que ça. Ouais, plus lifestyle mode, complètement. Mais j'adore pouvoir essayer d'autres choses pour déjà sortir de ma zone de confort, même si elle n'est pas encore bien grande. Mais bah justement d'ailleurs. En plus, on apprend toujours des choses et des techniques par des. Enfin, dès qu'on se met dans des conditions un peu différentes, on va avoir des contraintes différentes, on va devoir s'adapter différemment et trouver des techniques. Des nouvelles techniques. Mais c'est vrai que le lifestyle mode, ça me convient complètement. Par défaut. J'ai commencé le mariage, donc on reste un peu entre les deux aussi. Il y a un côté lifestyle mode dans le mariage. J'adorerais dans le principe faire de la photo de rue. Mais la photo de rue, ça va me déranger. Je pense qu'il y a deux choses principalement qui vont me déranger. Dans la photo de rue, c'est de prendre des photos à la volée. Ça me dérange encore de prendre des situations ou des gens en photo comme ça sans prévenir. Et surtout le pire, je pense que ça sera d'attendre, de zoner, de poireauter pendant je sais pas combien de temps et d'attendre qu'il se passe un truc quoi. Surtout quand je suis en ville, je suis toujours désespéré par le fait qu'il y ait des panneaux partout, des bagnoles partout et des pubs, des panneaux de signalisation. J'arrive pas encore à m'en sortir. Ça me démoralise. Je pense qu'il faut que. Il faut d'abord que j'affûte un peu plus mon état d'esprit reportage. Pour pouvoir faire de la photo de rue. Parce que je pense qu'il y a un cousinage à ce niveau-là. Et que je me décomplexe aussi sur le fait de prendre des photos. De prendre des photos en public, ça me dérange pas quand je suis avec des modèles, je m'en fiche. Là, au début, j'étais gêné, maintenant plus du tout. Ouais, le regard journalistique, je pense que c'est ça qui est important, c'est d'arriver en une fraction de seconde de percevoir quelque chose, une scène, ou même de l'anticiper. Mais il me semble que ceux qui font la photo de rue, ils ont quand même énormément de déchets. Ou alors c'est des génies, ou... Ils ont quand même beaucoup de déchets. Sur cette série-là, je voulais... Alors j'avais celle-ci. Donc je suis pas forcément persuadé par le cadrage ni par la mise en scène. Après, j'aime bien la pose, mais je pense que... On va quand même essayer un truc. Je pense que c'est pas tellement les plus intéressantes du shooting. Après, si j'essaye pas, je saurais pas. Elle est peut-être beaucoup trop lumineuse en fait pour le style. Trop claire dans l'ensemble. Le modèle est trop petit, la contre-plongée fonctionne pas trop. Au final, la décor colle pas. Puis il y a un petit message en bas. Règles à observer. Voilà. Je zappe. Donc là, il y a une série de 7 photos. Non, donc celle-là, hein, je suis flou, on est d'accord. Après, j'ai un conseil un jour, mais faut être patient. Pose-toi dans un parc ou dans une rue, tu bouges pas récente. Ouais, bah voilà.
Rester 30 minutes, 1 heure, 2 heures à rien faire, c'est dans la vie. Ça doit faire partie des choses que je déteste le plus. Si je fais rien, je vais être sur mon téléphone. Je vais. Non, c'est une souffrance de rien faire. De rien faire, je le fais quand j'ai bossé non-stop pendant une semaine, que je suis crevé, que j'ai fait du sport. Par contre, peut-être qu'en ayant. En étant dans un état second, c'est possible que ça pourrait être intéressant. L'ennui qu'il faut qu'ils aient attention ailleurs, ouais. Mais quand je suis crispé, mon inspiration se bloque complètement. 3 tickets avant un shoot. En vrai, je serais flou, je pense. Je fais mes réglages avant. Je bois bien d'ailleurs à propos de boire. Je t'ai servi un peu de limonade. Mais ouais, faut voir. L'appareil risque de se voir si le sol. Ouais. De voir le sol. Oui, non, c'est ça. Jusque-là, ça m'est jamais arrivé. De le laisser tomber. Le cogner un peu, mais. Entre ces deux photos, je préfère celle où il a comme ça le. Celui où il tient pas le flingue en plastique. Je vais prendre celle-là. Est-ce que un cadrage cinématographique peut fonctionner? C'est quand même un peu serré, hein. Ah, ça c'est encore pire. Et ça c'est doublement pire. Du 16/9. Pour un 16/9. Il tient pas, ça fait légèrement incliner le canon qui, moi, ça me parle plus dans le style patience. Ah oui, ouais. Bah, disons que là. Ouais, on sait pas trop. Là, il est plus posé, ouais, voilà. Il attend que la cible sorte du bar. Non, on sait pas trop si. S'il veut faire une livraison. Ou si c'est un tueur à gage. En fait, on sait pas trop où est le flingue dans la main. C'est pas une attitude très explicite de toute façon. Là, c'est plus explicite. J'ai pas envie de la passer en noir et blanc, j'aimerais bien garder un peu de couleur. Donc je vais réappliquer, je vais aller chercher sur quelque chose qu'on a déjà fait avant. Hop, ce réglage là. Je sais pas encore faire les presets. Je vais juste après, je vais apprendre à faire les presets. Je trouve plus où, comment on fait. Il faut que je me fasse mes presets. Je pense qu'on est en fait pas mal là. Ouais, ça marche pas mal. Petite flèche sur la toute gauche. Je trouve guère de flèche. Côté du chat. Ah oui, sauf que moi je vois pas le chat. Il y a une flèche par là? Ah, en mettant la souris peut-être, ouais. Pourquoi est-ce qu'il se cache d'ailleurs ce truc? Ok. C'est les paramètres prédéfinis, non?
Ok. Je prendrai un peu le temps plus tard, parce que là, en vrai, c'est pas forcément le moment. Mais ça pourrait être intéressant que je regarde des tutos là-dessus, que je revois, parce que j'en avais regardé, mais j'avais pas appliqué. Au début, j'étais vraiment dans l'idée de, pour chaque photo, tout chercher en fait, pour tout travailler, pour me familiariser avec tout, voir l'effet de chaque chose. Que je me disais, si j'applique directement les presets, je vais pas comprendre les subtilités de chaque outil. Alors que là, je vois mieux. Je comprends pas tout mathématiquement ce que ça fait, mais je vois mieux que voilà, le contraste, bah, ça augmente aussi un peu la saturation. La clarté, bah, ça peut rajouter des halos, ça a l'effet. La différence entre saturation et vibrance aussi. Tu lances Lightroom, ok. Ah, c'est marrant, pourquoi est-ce qu'elle reste pas ma. J'aimerais que ça reste un écran 4K, autant m'en servir. Non, c'est pas grave. Bon, bref, peu importe. Donc, sur cette photo, est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'il y a assez de contraste? Est-ce qu'il y a assez de clarté? Est-ce qu'elle est assez masculine ou pas? Là, c'est bien, ouais. Je suis toujours hésitant. Dans l'exposition, c'est un des curseurs sur lequel je suis très hésitant parce que j'adore autant les univers lumineux que les univers sombres, que les univers équilibrés. Qu'au final, ça dépend vraiment. En fait, faut que je me pose la question à chaque fois de l'ambiance vraiment que je veux rendre. Au-delà du fait c'est trop sombre, c'est trop clair, c'est un choix à faire. Là, globalement, il faut pas que je sois trop clair, hein, c'est certain. Il fait pas nuit non plus. En fait, faut que j'arrive à. Si tu vois, là, marche pas aligné. Ah oui. Ouais, j'y ai pensé, ouais, la ligne de la marche est à la limite. C'est pas le genre de style où je vais vraiment chercher à ce que les lignes soient verticales et horizontales. Même si ben, tout ce qui est encadrement de porte et encadrement de porte, on est d'accord que vertical c'est quand même mieux. À moins qu'on cherche à donner un effet particulier. Qu'en fait, faut que ce soit sombre, mais pas trop, sinon, en fait, faut pas que le visage soit trop sombre, faut pas que les yeux soient trop sombres. Ils le sont déjà suffisamment, mais pour autant. Essayer quelque chose. Ça fait genre ça fait moche. Je comprends pas pourquoi. Faut que je augmente la clarté après. Ouais, peut-être. Ouais. C'est la même méthode que le vignettage en fait. Quoi spot? Pourquoi tu dis spot? Nous sommes d'accord, mais il y a des lignes de raison de structure, c'est petit. Ouais. Mais c'est souvent lié à. Je me méfie aussi de l'œil du professionnel en fait, qui va être peut-être trop pointu sur certaines choses, qui va se focaliser peut-être sur. Le trop blanc, ça fait star. Je crois que je vois pas où tu vas en venir, je suis désolé. On s'est perdu, ouais. Je voudrais virer ce petit truc là en haut, là. C'est la méthode de Bourrin qui a marché un jour, qui, à mon avis, là, ne fonctionnera pas.
Bah non, c'est non. Ah ouais, forcément. Bah ça va être du Photoshop pour rien. Hein. Bah oui, je suis con. Je sais pas si on peut lui dire de ne pas garder la luminosité de ce qu'il y a en dessous. C'est très pratique en général, mais... Et du coup, il applique la texture, mais pas la couleur. Je parlais avec ton rajout de vignettage, mais vers le blanc. Ah ouais, non. Non, moi, j'avais pas fait exprès de glisser le curseur. Jamais je mets du vignettage blanc, jamais. Pas exagéré. En fait, là, il me faudrait Photoshop. C'est pareil, j'ai pas envie de faire Photoshop. Mais là, je vais peut-être le faire. La photo est cool. Alors, il y a un truc que j'ai jamais essayé, c'est d'éditer dans Photoshop tout en gardant le traitement. En général, j'exporte la photo depuis Lightroom, je la retouche dans Photoshop et ensuite je fais un fichier depuis Photoshop. Peut-être que je devrais essayer de la modifier avec Photoshop, mais en restant sur la publication sur Lightroom. Je sais pas si je suis clair dans mes phrases. D'ailleurs, je crois qu'il s'est fui d'appuyer sur P. Non, c'est pas P, c'est quoi déjà? Il y a une touche sur mon clavier qui permet de lancer Photoshop. Je l'appuie dessus sans faire exprès, mais là... Contrôle E ou... Edit, Contrôle E. En fait, je le lance quand j'essaie d'exporter la photo et que je fais mal mon raccourci. Contrôle Maj E ou Contrôle Maj Alt E. Là, ça lance Photoshop. Et du coup, je perds 5 minutes. Préférer le profil incorporé. Oui, du coup, ça modifie la photo Lightroom une fois que c'est enregistré. C'est leur système de truc dynamique, là, comme les calques dynamiques de Photoshop. Ça me fait quand même un peu bizarre. Bon, allons-y. En 100%, on est là-dessus. Donc, encore. Donc là, je pense que je vais prendre une partie à droite, à gauche, pardon. Faut cette hauteur là. Ah. C'est bien, c'est quand t'as deux grands écrans et qu'ils t'ouvrent une petite boîte du dialogue à l'autre bout sur un autre écran, tu la cherches pendant un certain temps. Qu'est-ce que c'est... Non, c'était trop. Il y a peut-être un outil de tampon, ouais, c'est ça, ouais. C'est la méthode que j'utilise depuis que je suis jeune. Je me mets de côté. On va essayer quand même l'outil. Il n'y avait pas l'outil tampon à l'époque de duplication, je crois. Quand j'ai appris Photoshop. Je sais même pas où il est en fait. L'outil pièce, ouais. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Vas-y, ça fait pas pro. Petite pièce, on va voir. Je sais même plus comment ça marche. Faut d'abord prendre le truc à remplacer. Et ensuite faire comme ça, voilà. Ouais, mais du coup là, c'est... Oh, d'accord. Pas parfait, mais ça se remarque pas trop. Après, si on le sait pas, ça se voit pas. Ouais. Ouais. Sur Instagram sans doute. Non, c'est sûr qu'on ne va pas trop chercher de ce côté-là, mais ça se voit quand même. Il suffit de regarder et on le voit. Si l'œil se balade par là un moment. Voyons, juste pour le test. Ah merde, mais du coup ça a remplacé sur mon image carrément.
non, c'est pas ça du tout. Hop. Si je prends mon truc là, l'avantage c'est que je peux aussi du coup dimensionner pour faire coïncider les. Bon, c'est pas foufou, mais je crois que je vais pas y passer énormément plus de temps. Hein. Je pense que ça fera l'affaire. Tampon pour faire la ligne. Effacer. Je suis pas sûr de tout comprendre. Faisons des expériences. Correcteur localisé, c'est quoi ça déjà? Oui, je sais, ça me revient. Donc ça marche, ça va pas du tout servir pour ça. L'outil correcteur, lui, c'est rien du tout. Quoi? Oh, oui. Non. Ok, c'est pas grave. Oui, c'est pour les boutons, c'est ça. Correcteur localisé, localisé. Correcteur, c'est pour les petits défauts. Ah, c'est relativement dégueulasse là quand même. Là, je l'ai pas sauvegardé du coup. Et la sauvegarde. Mais en fait là. Ce que je vais faire, c'est que là on a la teinte qui m'intéresse, je vais la sauvegarder comme ça. On s'en fout. Je fais juste CTRL S. Ah, il a sauvegardé en TIFF, d'accord. Et là. Ça marche pas. Ça y est. Ok. Donc là, je vais pouvoir me resservir de mon. De ma suppression des défauts. Peut-être qu'il va être un peu plus intelligent. Voilà. Il suffit de la prendre juste en dessous, comme ça on a à peu près les mêmes lignes verticales. Et garde la teinte. Est-ce que c'est mieux? Bah, c'est carrément mieux, ouais. Voilà. Ok. Ah, voilà. Facile. Elle garde quand même. D'accord, il en fait une duplication. Et il la met avec l'autre. Ok. Il les a mis toutes les deux à la fin. Nickel. Je recontraste, on est d'accord que quand je contraste juste comme ça, ça bouche un paquet de noir. Ça, c'est la même méthode que d'habitude, c'est-à-dire que je débouche après. Alors, je sais pas si c'est une méthode valide, hein, honnêtement, scientifiquement, je sais pas si elle est justifiable. Je m'en fous. Seul compte le résultat. Voilà. Mais attends, je suis sur quoi là? Ah oui, c'est parce que du coup c'est la. Ouais, ok. Je me dis, c'est marrant, les curseurs ils sont tous au centre. Que du coup là, il m'a bien ressorti la photo enregistrée sur. Pour le professionnel. Il m'a bien. En fait, il m'a régénéré. Du coup, ça me paraît plus logique, mais du coup, ça m'emmerde. Mais c'est pas grave. Je vois pas l'intérêt en fait de modifier la photo dans Photoshop si derrière c'est pour m'en créer une deuxième dans Lightroom qui n'ont plus les curseurs de modification de l'original.
Du coup, je vais commencer à me paumer. Du coup, je pense que je vais revenir à ma méthode d'avant, d'exporter, de faire toutes mes retouches Lightroom et ensuite de faire mes audits directement sur Photoshop. Enfin bref. Peu importe. Je garde. Donc là, on a une qui est pas mal. Est-ce qu'on a nos trois? Bon, je reviens au début. Il y avait celle-ci, c'est une des premières que j'avais traitées. Que je trouve toujours aussi cool personnellement. Alors je sais pas si je regarde plus arrière à droite pour virer la petite bande blanche là. Ou est-ce que je la remets en 4 tiers? Histoire d'avoir un peu plus de... Ah oui non, non non, je virais le téléphone. Ouais ouais. Le problème c'est qu'on a en bas à droite le... Ah oh, quoi que... Bon, il y a des petits défauts à droite à gauche mais c'est pas grave. C'est à peu près droit, la fenêtre est droite en tout cas. Ok, bon je garde celle-là, allez j'exporte. Je crois que j'avais déjà un dossier, on va en faire un... On va faire Alex 2. Non, voilà, 2. Est-ce que j'ai pas forcément les bons paramètres? Bon, qualité, voilà, pas redimensionné. 100%. Rien d'autre. Exporté. Écrasé. Donc la première. Elle a moins de caractère que les autres. Je pense que c'est pas la peine. C'est un peu le même genre que les autres, sauf qu'avec des choses en moins. Je vais pas la prendre. Celle-là, j'aime bien la posture. La lumière, le fait qu'on soit en face. Ça change un peu. J'aime bien, je vais l'exporter. Et du caractère. Juste vérifier qu'elle est bien exportée. Ok. Ça marche. Celle-là, elle est pas si mal, mais elle ressemble peut-être un peu trop à l'autre. Une poignée de porte qui me dérange à droite. Je vais la zapper. On va faire comme ça. Bah, c'est pas l'idéal, mais ça ira bien. À gauche aussi, un petit trait noir. C'est moins indispensable. Ah, je pinaille, hein, je sais. Bon, je la prends. On verra. On compare avec les autres. Mais je crois que je préfère encore celle-ci. Avec le regard, c'est pas mal. Il y a un peu plus de profondeur. Je suis un peu plus proche du mur. Ça peut être intéressant aussi. Pinailler n'est pas un défaut. Ouais, bah ça dépend. Enfin, faut mettre des limites quand même. Donc celle-là, je l'ai prise. Celle-là, je vais pas la prendre parce que... Elle a quand même un truc intéressant. Peut-être le format, ouais, faudrait que je l'aime. Faudrait pas que je le centre, je pense. Faut que je gère du mur à droite. Tant pis pour le format. On va aller sur quelque chose d'un peu plus comme ça. Peut-être que je vais aussi prendre... Elle est peut-être plus intéressante comme ça. Hein. En fait, faut peut-être pinailler quand tu sens que tu tournes en rond. Quand t'es dans ta tête et que t'es sur des détails qui... Finalement, tu vas gagner quelque chose sur... Tu vas améliorer un aspect, mais du coup, ça va en dégrader un autre.
Bah, du coup, c'est perdu, quoi. Bah, en fait, là, on a... Déjà, lui, il est légèrement sur le côté. Ça me permet de le mettre sur une ligne de tiers. Si je le mets... si je le centre comme ça... Je suis pas spécialement fan de la posture. Ni du mur, d'ailleurs. Je préfère avoir la végétation. Et en plus, je peux le mettre, lui, sur... sur une ligne de tiers. D'accord que les lignes de tiers, c'est vraiment... pas obligatoire, mais... Et quand ça marche, c'est bien. Les lignes de tiers, ouais, c'est... J'utilise vraiment comme une référence de base que je m'amuse à respecter le moins souvent possible. Bah dès que je trouve un intérêt à ne pas la respecter, j'hésite pas une seconde, quoi. Mais quand on cherche, ça vaut le coup d'essayer. Bah ça dépend de la composition, ça dépend de ce qu'on veut montrer, et de l'ambiance et de l'effet qu'on veut rendre. Si on veut vraiment chercher quelque chose d'équilibre, ouais, mais si on veut créer un déséquilibre parce que la photo est prise de telle manière à ce qu'on ait envie de communiquer un déséquilibre ou de générer un sentiment ou une impression, il faut en jouer. Si on veut oppresser, et ben il faut pas que ce soit équilibré, il faut que ce soit... une certaine manière décalée, mais on part de cette idée de l'équilibre pour justement le... Moi, en ce moment, justement, je suis dans les lignes. Et centrer mon modèle pour venir... Ouais. Bah, le centrer, des fois, ça marche. Enfin, le... Centrer, quand tu as de la symétrie, c'est aussi une règle, une facilité, j'ai envie de dire, une règle de base. Mais ça, c'est... Pareil, c'est en général vraiment le truc pile poil centré. C'est qu'il y a que ceux qui. Enfin, ça se voit pas forcément, quoi. Tu fais chose à l'envers. Bah. On a tous notre propre chemin. Notre propre cheminement. J'ai mon chat qui gratte à la porte. 30 secondes. Et voilà. Donc en fait, il se trouve que j'ai un bouton pour mute mon micro sur OBS, mais que ce bouton a une fonction dans Lightroom. C'est pas grave, il va falloir que je creuse ça. Ouais, en autodidacte, c'est clair que tu commences vraiment par un point qui te concerne ou par le... En fait, tu passes par la porte par laquelle tu entres dans la photographie, quoi. On n'a pas tous la même porte. Moi, quand j'ai acheté mon premier hybride, j'ai passé des semaines et des mois à regarder tous les tutos YouTube de tous les photographes YouTubeurs. Et je crois que c'est Lambrier qui avait dit, ou je sais plus qui, comme quoi ça servait à rien de... Comme tout a déjà été dit sur YouTube. Ça sert à rien de regarder plusieurs youtubeurs qui vont t'expliquer la même chose. Je suis pas forcément d'accord. Je trouve qu'ils ont chacun une approche bien à eux. Évidemment, ils te donnent les règles de base qui sont exactement les mêmes que pour tout le monde, triangle d'exposition et règles de tiers et tout ça. Mais en général, ils agrémentent aussi de leur petite approche personnelle et leurs petits commentaires. Et comme ça peut différer d'un photographe à l'autre, c'est toujours intéressant de voir comment il résonne et... donc on a dit celle-là, je suis quand même pas emballé, j'aime bien la posture mais au niveau lumière ça me paraît un peu plat. Même si je vais plus bourrin, ouais je peux y aller plus bourrin sur le curseur mais...
En plus, j'ai pas appliqué ma petite courbe là. Là, je suis vraiment. Vraiment à fond là. Là, on a déjà plus de relief. Jean du jardin, ouais. C'est pas faux, il y a un côté. Là, ça passe mieux, je trouve. Je suis vraiment quasiment à fond là sur les curseurs. Mais c'est pas grave. Hop, un petit peu de vignettage. Là, ça s'y prête à merveille. C'est vraiment l'image, la photo qui est faite pour le vignettage. Je pense que je suis à fond là, sinon c'est trop. Hein. Ouais, ouais, ouais. On se calme. Est-ce que je vais pinailler jusqu'à... Je vais augmenter la netteté. Ah, ça peut être pas mal. La netteté, ça apporte absolument rien, évidemment. Une publication sur... Quand on publie sur Instagram et compagnie, mais... Sur des photos de cette taille. Ok. Je la prends comme ça. Du coup, celle-là, non. Là, je la traite pas. Celle-ci est pas mal. Alors là, il y en a plusieurs. La fumée est moins jolie sur celle-là. Je préfère celle-là. Je suis obligé de garder mes hautes lumières, quoique. En les baissant un tout petit peu, on récupère un peu de détails. Mais tu ajoutes 25% sur Insta. Je change rien, moi. En fait, j'ai remarqué que la netteté aussi sur Insta change. Ça paraît plus flou quand je publie à partir de mon ordinateur. Alors que quand je publie depuis mon téléphone. J'ai un rendu tout à fait correct. Correspond à ce que j'ai exporté tout simplement. Donc ça me convient. On va prendre celle-là. Ah bah je l'ai déjà fait. Celle-là je vais la prendre parce que je l'aime bien, franchement. Sur celle-ci, j'ai tendance à préférer... Ouais, je vais pas toutes les prendre. Celle-là, j'aime bien. En fait, j'aime bien la compo sur celle-là, mais au niveau de la pose et de l'attitude, je préfère celle-ci. Donc il va falloir que je choisisse. Et là, on voit le téléphone. On le voit moins. Je pense que celle-ci est plus intéressante à publier. On est plus sur le visage, on est plus sur l'expression, on est plus sur la personne. Alors que celle-ci, on est plus dans de composition, mais il n'y a pas assez d'éléments de composition pour en faire quelque chose de vraiment intéressant. Il n'y a pas vraiment d'équilibre. Donc là, il est plus centré, il prend plus d'espace, mieux construit. Ben voilà, on a plus l'expression, alors que là, c'est assez dans le vide, en fait. Ok. Donc les murs, on laisse tomber pour l'instant. Ceci, j'en ai encore trop rien fait. Il y a un cornet en haut à gauche, ouais, ouais. Ouais, je sais, mais... Comment dire? Tant pis. Ça me dérange pas plus que ça. Celle-ci, c'est beaucoup plus visible et peut-être que ça joue le fait que ça me dérange un peu plus.
Là, c'est vraiment, il a la tête quasiment contre le truc. En haut à gauche. Y'a rien en haut à gauche. Là, on est en haut à droite, sur l'autre. Celle-ci, je suis pas convaincu. Bon, en tout cas, j'ai pas réussi à en faire quelque chose qui m'intéresse vraiment. Ça me gêne toujours les lignes derrière. Pas droit, y a pas vraiment de ligne de fuite. Ils sont pas complètement ratés, mais me parle pas trop pour l'instant. Elle est marrante, mais du coup, le rendu me convainc pas. Et on avait dit qu'il y avait. Celle-ci, voilà. Hop, je la prends. En contre-projet, c'est pas toujours simple de ce côté-là, ouais. Ouais. Bah, c'est ça, ouais. On a l'exemple à plusieurs endroits, hein. Là, c'est pareil, une contre-plongée qui fonctionne pas. En fait, la contre-plongée, il faut vraiment que ce soit plus franc. Et enfin, c'est beaucoup plus compliqué pour que ça rentre bien. Ouais, pour la porte, ça passe, ouais, du coup. J'ai combiné les avantages de chaque outil. On a fait quelques photos aussi dans un cimetière, mais on n'a rien réussi à sortir de vraiment, d'après moi, de vraiment efficace. Le problème, c'est qu'on était à l'ombre et que derrière, on avait tout qui était ensoleillé, donc tout est cramé. On n'a pas de régularité, il n'y a pas de fond vraiment intéressant, et le lieu était relativement commun. Enfin, c'est pas, il n'y avait pas assez de caractère, en fait. Donc on n'a pas cherché plus que ça. Après, on verra, peut-être que je suis plus inspiré, peut-être pour faire un cadrage plus serré à un moment, j'en sais rien. Et peut-être aussi un peu de... Peut-être un truc à faire, hein, j'en sais rien. Pourquoi ça rame? C'est bon. Contraste de taré, petite clarté. Il n'y a pas d'intérêt, je trouve pas de... J'accroche pas. C'est con parce que du coup la pose et l'attitude sont bien. Mais le décor, la compo, le cadre, enfin, non. Ça va pas du tout. Y'a rien qui va. Enfin, pour tout ce qui est du décor. Bon, on en a combien là? J'en ai exporté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Bon, bah ça va, il faut en choisir 3 parmi 9. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Ouais, si j'avais pas eu les mieux, elle aurait été sympa. Ouais, voilà. C'est ça. Là, j'aime beaucoup le contraste entre les lignes blanches et les lignes noires. J'ai vraiment envie de la publier. La posture est cool, c'est posé et tout. Là, j'aime bien. Celle-là, elle est moins parlante. Je l'aime bien, mais elle est moins explicite comparée à celle-là. Donc ces deux-là fonctionnent bien. Il y a celle-là aussi. En mode un peu coloré, j'aime bien aussi. Ah, le choix va être difficile. Celle-là, je pense que je vais pas la publier. Elle me convient bien, mais je pense qu'il y a mieux.
Ah, mais celle-ci, par exemple. Hein. Celle-là, il y a quand même un petit truc qui me dérange dans la contre-plongée au niveau de la déformation du corps. Voilà. Ça fait un peu triangle. Je suis pas très très à l'aise avec le rendu. Celle-là me plaise aussi, mais je suis pas sûr de les publier. J'aurais peut-être pu bidouiller les couleurs des fleurs sur le côté, non? Je peux pas publier quand même les trois dans le même style, sur le même spot quand même. Bah je ferai un slide, voilà, je les mettrai tout en slide. Je mettrai toutes celles-ci, faut qu'elles aient le même format je crois. Bon bah voilà, je ferai le choix plus définitif un peu plus tard. Je vais arrêter le stream là. Je sais pas si j'en fais un mercredi prochain. On verra, ça va dépendre du temps que j'ai, de si j'ai la pêche ou pas. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé. C'est vraiment sympa. Et très intéressant. Du coup, bah n'hésite pas à repasser si t'as envie. n'hésite pas à t'abonner si c'est pas le cas, à me suivre. Pareil pour tous ceux qui vont revoir ça en replay. N'hésitez pas à vous abonner ou à me faire des commentaires. Des retours, c'est très précieux, ça peut être très intéressant pour améliorer les prochains lives et les prochaines vidéos. Et puis voilà. Bon bah en tout cas, merci bien. C'était chouette. Je vous tiens au courant pour le prochain live. Et puis ben. Salut, bonne soirée à un de ces quatre.